L'Orange Cube a été conçu par les architectes Jacob et McFarlane et construit entre 2005 et 2011 à Lyon, sur les quais de la Confluence. Il est percé d'une ouverture conique apportant ventilation et lumière zénithale. Son emprise au sol est un carré de 29 mètres par 33 mètres. Il est dessiné selon une trame symétrique de 5 mètres, 4 mètres, 4 mètres et 5 mètres. La structure du bâtiment est un système poteau-poutre en béton armé avec un noyau central. La trame des poteaux reste la même quels que soient les étages, c'est le type de poteau qui varie. On observe qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, il y a trois types de sections de poteaux. Des carrés de 40 par 40 cm, des rectangles de 40 par 60 cm en façade, et trois poteaux de section 50 x 50 placés sur la deuxième rangée de poteaux. Aux étages supérieurs, il y a uniquement des poteaux de section carrée 40 par 40. En ce qui concerne la toiture terrasse, seuls les poteaux en façade sont de 40 x 40 cm. Les autres sont des carrés de 25 par 25 cm. On observe donc que plus on monte, plus la section des poteaux diminue. À l'étage traversé le plus profondément par l'ouverture circulaire dans le bâtiment, un poteau est décalé par rapport à la trame afin de correspondre à la limite du plancher supérieur. Ce décalage se retrouve à tous les étages afin de conserver une continuité verticale des poteaux sur toute la hauteur du bâtiment. Sur ces poteaux viennent s'appuyer des poutres de section 40 par 40. Au-dessus de celles-ci, on trouve des planchers en béton d'une portée de 5 mètres par 5 mètres maximum. Ceux-ci sont recouverts d'une fine couche de béton ciré. À certains endroits du bâtiment, des panneaux acoustiques viennent créer un faux plafond et masquer le système de chauffage. C'est un système de plancher diaphragme. Ceux-ci permettent de reprendre les efforts de vent qui exercent une pression sur la façade pour les transmettre au noyau central composé d'un mur de refend sans endommager les poteaux. Ce noyau abrite les éléments de circulation verticale, les escaliers et les ascenseurs. En ce qui concerne le contreventement, à l'étage de la toiture terrasse, le bâtiment est contreventé sur trois façades par des palets de stabilité qui travaillent en traction. Cela permet d'avoir un contreventement sur trois plans verticaux non concourants et donc d'éviter le phénomène de pointure. Il est aussi contreventé par le même système sur toute la hauteur des façades ouest et nord, uniquement au centre de la trame, et à l'angle supérieur sud-ouest de la façade sud. Pour ce qui est de la descente des charges verticales, celles-ci sont reprises par les planchers supérieurs, puis les poutres, puis les poteaux, et transmises ainsi entre chaque étage jusqu'aux fondations. En ce qui concerne les fondations, nous n'avions pas d'informations précises. Elles n'apparaissent pas sur les coupes. Au vu du rapport hauteur d'encastrement largeur de la base, on peut d'abord supposer que ce sont des fondations superficielles. Cependant, la présence d'un parking souterrain induit des fondations profondes avec parois moulées. Par ailleurs, la présence de la sonne et de nappes souterraines peut rendre nécessaire l'ajout de tirants pour reprendre la poussée de l'eau.